Bonjour. La vidéo que vous allez voir traite d'une question qui nous concerne tous. Être bien dans sa peau et dans sa tête. Plus particulièrement, vous verrez des extraits d'un échange entre le Dr Henri Laborit et des employés d'Hydro-Québec. Ils se sont exprimés sur les trois questions suivantes. Que veut dire être bien dans sa peau? Que signifie s'adapter? Et finalement, quels sont les moyens qui nous permettent d'agir dans la vie de façon efficace et satisfaisante? Il est bien évident que tout le monde souhaite être bien dans sa peau et dans sa tête le plus souvent possible. Mais concrètement, être bien dans sa peau, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir ce qu'en disent nos invités. Bien, définir quelqu'un qui serait bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui serait équilibré, qui aurait des relations avec son milieu qui lui provoque pas trop de stress, pas trop de contraintes. En fait, quelqu'un qui est capable de vivre avec les autres, sans trop de conflits, sans trop d'angoisse ou de malaise. Quelqu'un qui est capable de profiter de la vie aussi, capable de façon de parler, de s'amuser en même temps que d'être sérieux, puis qui est en harmonie finalement avec l'ensemble des choses qui sont autour de lui, ses amis, sa famille, son travail, ses ambitions, etc. Puis qui réagit bien dans tout ça, sans nécessairement être dépressif ou des choses comme ça. Ah, intéressant. Moi, je répondrais que pour moi, j'ai appris à être bien dans ma peau la journée où j'ai compris que je devais assumer ce qui m'arrivait, tant au niveau des bévues comme des choses heureuses également. Et évidemment, c'est toujours plus agréable et toujours, on se sent toujours mieux quand il nous arrive des belles choses. Mais il faut aussi apprendre à dealer, à gérer ce qui nous arrive, autant dans notre quotidien au travail que dans notre vie familiale, pour finalement trouver cet équilibre-là, comme Daniel mentionnait. Et quand tu sais travailler avec tes forces et tes faiblesses, finalement, tu arrives à assumer, à être bien partout dans ta peau. Merci. Bon, évidemment, je devrais dire que je suis d'accord avec ce que tu as dit avant. c'est la formule. Mais j'ajouterais à ça que c'est bien dans sa peau, pour moi, c'est de se lever le matin avec plaisir, de se lever parce qu'on a un bon boulot à accomplir, puis qui va être stimulant, puis qui va être nous permettre de j'appellerais ça de se réaliser, puis de faire des choses, de bâtir des choses, puis d'avancer. C'est aussi de se coucher le soir, de dire, hey, j'ai fait une bonne journée, puis je suis content de ma journée, j'ai manqué de temps jusqu'à un certain point, puis de bien dormir, de passer une bonne nuit. Alors, quand tout se déroule comme ça, je dis, je suis bien dans ma peau, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais c'est aussi, sur un plan plus global, de réussir à aimer ce que l'on fait, plutôt que de travailler à faire ce qu'on aime. Et je pense que quand on réussit ça, il n'y a plus d'écueil, il n'y a plus de problème. Puis tout ça, bien, dans un esprit de communication puis d'échange avec les gens qu'on côtoie tous les jours, on s'enrichit tellement à écouter, surtout écouter, puis aussi à dire ce qu'on pense, honnêtement puis sincèrement. Alors moi, de cette façon-là, je suis heureux dans ma peau puis je suis bien. En fait, c'est assumer sa liberté. Moi, je trouve important aussi mon entourage, les gens qui m'entourent, la famille, les gens du bureau, tout ça, c'est lorsque j'ai l'estime de ces gens-là, que j'ai l'estime de moi-même dans ces relations-là. Et c'est de se faire plaisir aussi. Mais c'est quand, surtout, je contrôle les situations, mon environnement, quand j'ai le contrôle de tout ce qui peut se passer autour de moi, là, ça va bien, il n'y a pas de raté. Et avec ça, tu sens que t'es bien dans ta peau. C'est ça. Ah, vas-y, toi, Joanne. Pour moi, c'est beaucoup être capable de vivre le stress quotidiennement. Parce que pour moi, le stress, c'est quelque chose qui est motivant aussi. C'est pas juste négatif. C'est motivant. C'est sentir que t'es dedans, tu pètes le feu, là. T'sais? D'être capable de vivre ça, puis d'être capable de t'en détacher aussi. D'être capable de passer des bonnes nuits, même si tu brasses plein de grosses affaires au bureau, puis que ça va bien, puis que c'est le fun, puis que t'sais, tu travailles la nuit pour penser à ça. Ça, je trouve que c'est malsain jusqu'à un certain point. Moi, j'aime pas quand ça m'arrive, t'sais. C'est sentir que, tu sais, le samedi matin, tu te lèves, il fait beau, tu t'en vas faire ton marché, t'as l'impression que le monde t'appartient. Quand je me sens de même, pour moi, c'est être bien dans ma peau. C'est juste ça. C'est avoir plein d'amour dans ta vie, évidemment, puis d'en donner plein, tu sais. Mais c'est je pense, là, globalement, le détachement, pour moi, c'est... Je pense que c'est ça, être bien dans ma peau, être capable de détacher. Ah, mais c'est déjà le terme, être bien dans sa peau.
Ça veut dire? Ah, c'est une sensation. Hein, on est bien dans sa peau, on est mal dans sa peau. En fait, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Non? Bon. Il vous manque quoi? Il vous manque des aliments pour faire fonctionner vos petites usines cellulaires. Et puis, donc, vous êtes votre équilibre. On a parlé, vous, Garnier, vous avez parlé de l'équilibre. Alors, je reviens à cet équilibre, parce que c'est un mot truqué, hein, dont il faut se méfier. Ben, être bien dans sa peau, je dis, c'est maintenir cet état d'équilibre dont je parlais, qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que quand vous ne contrôlez pas votre milieu, quand votre cerveau ne vous fait pas agir de telle façon que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, ou que vous ne pouvez pas fuir, ou que vous ne pouvez pas lutter pour vous débarrasser de l'ennui qui se présente à vous, de l'événement qui survient. Je prends en général l'exemple, parce que le voyez chez Renault, mais il est d'ailleurs peut-être n'importe où. JM, pour les préciser. Oui, qui fait ses roulements à billes, et puis il a une tête de chef de chantier qui ne lui revient pas. Hein, bon, bah, le petit chef qui veut montrer en roulant les mécaniques, bon, il ne revient pas. Il ne peut pas fuir, il serait au chômage. Il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents de police, la maréchaussée. Et finalement, il est en inhibition de l'action, mais pas simplement de façon passagère, les semaines, les mois, et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce système nerveux, ces voies cérébrales qui aboutissent, qui vous empêchent d'agir, sans ça, vous fuiriez, ces voies qui vous empêchent d'agir, provoque un remue-ménage des glandes endocrines, en particulier l'hypophyse, la surrénale, et la surrénale va libérer une hormone que vous connaissez, d'ailleurs, qui est la cortisone. La cortisone va détruire votre système immunitaire, et là, je passe quelques perturbations, enfin, bon, c'est l'essentiel, quand même. Elle va détruire votre système immunitaire. Si vous avez une cellule cancéreuse, vous allez faire une évolution cancéreuse. Si vous avez un microbe que votre système immunitaire aurait détruit, vous faites une évolution infectieuse. En général, la cortisone détruit le système immunitaire dans votre système de défense. Et d'autre part, elle retient de l'eau et des sels. C'est-à-dire que vous avez une masse sanguine qui augmente et est libérée, elle est libérée dans l'angoisse. Elle est libérée avec ce qu'on appelle la norépinéphrine, la noradrénaline, qui va diminuer le calibre des vaisseaux. Alors finalement, vous avez un contenant qui diminue le volume, dedans un contenu qui augmente, vous faites des hypertensions, hémorragie cérébrale, infarctus, etc. J'en passe, la cortisone fait des trous dans l'estomac, l'ulcère de l'estomac, bon, j'en passe. Et c'est le résultat de du non-contrôle par votre organisme, par votre action, de l'autre, du milieu dans lequel vous êtes. Pour terminer et me faire comprendre, il n'y a pas de cause au cancer, il y a de multiples facteurs. Et le dernier facteur, c'est le rapport de l'individu avec son environnement social et la santé. Alors je dis, puisque Pierre est surtout orienté vers la santé mentale, mais la santé mentale, alors je peux terminer là-dessus. Les névroses, les états névrotiques, toutes les formes de névroses, ça vient justement de la possibilité d'agir. Alors, il y a un grand psychiatre français qui, au siècle dernier, qui s'appelait Pierre Janet, disait « Le névrosé est un monsieur qui n'a pas d'imagination. » Ah. C'est vrai. Ça les aime bien. Il se laisse prendre dans un système manichéen, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, tu feras ça, tu seras récompensé, tu seras ça, tu seras puni, sans imaginer qu'il peut peut-être trouver un moyen de s'en sortir en ne faisant ni ce qui est mal, ni ce qui est bien, mais autre chose. Bon. C'est pas commode, parce que c'est du quotidien, c'est tous les jours qu'il faut repenser son existence en prévoyant les conséquences que l'acte va pouvoir provoquer. Mais, j'ai presque terminé, moi, sur ce sujet, être sur le bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, vous voyez, c'est au fond maintenir un équilibre biologique par la possibilité d'action. On peut dire, finalement, qu'être bien dans sa peau, c'est simplement agir dans sa vie personnelle et professionnelle pour maintenir son bien-être, son équilibre. Agir ainsi, c'est comme le dit Daniel, réussir à vivre avec les autres, sans trop de conflits. Ou encore, comme le dit Raymond,
faire un travail qui permet de se réaliser. Ou, de façon plus générale, comme le dit André, contrôler son environnement pour que tout se passe bien pour soi. Agir ainsi nous amène forcément à la seconde question, à savoir l'adaptation. On nous présente habituellement l'adaptation comme la solution pour être bien parmi les autres. Oui, mais s'adapter, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Allons voir comment nos invités définissent l'adaptation. C'est surtout que si j'étais capable de m'adapter, je souffrirais moins en général, ouais, dans différentes situations. Là. Mais je me rends compte que l'adaptation, ça se fait pas en une semaine, deux semaines, un mois. Là. C'est quelque chose qui est à long terme. C'est je vais dire juste... quoi l'adaptation? Tu me le dis pas, j'aimerais c'est savoir. Vivre c'est vivre à l'aise avec... Si tu vis en société, si tu vis avec un homme, si tu vis avec un nouveau patron, avec des nouveaux collègues, d'être capable de respecter ce qu'ils sont sans que toi, tu te sentes tout le temps brimé par dedans, là, trituré. Pour moi, m'adapter, c'est être à l'aise avec le comportement des autres aussi. Mais je te le dis, je trouve ça dur pénible. En maudit. Alors, être soi avec les autres, c'est ça que tu me dis, ouais, quoi. Être soi, puis laisser les autres être. Être, eux autres. Eux-mêmes. Bon, c'est, j'ai déjà un peu plus. C'est bien théorique. Ouais, OK. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je définirais ça comme étant en harmonie avec son environnement. Oh. Être d'accord, en accord, en fait, là. Parce que dès que je suis pas en accord, je suis agresseur, agressé. Ah, t'essayes les deux pas. Ça fait que faut que je trouve la situation où je vais être bien, bien dans ma peau, c'est-à-dire. OK. Pas l'agresseur ni l'agressé, et puis juste en fait confortable. Confortable, ouais, exactement. OK. Mm-hmm. Toi, Raymond? Non, moi, j'ai l'impression que s'adapter, c'est de se rendre conforme à ce que la société s'attend à ce qu'on soit. Très bien. Ah. Mm-hmm. Ah. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Je me dis, si je ne suis pas d'accord à effectuer cette adaptation-là, bien, je change de société, j'imagine. Sinon, je ne serais pas bien dans ma peau. Ou tu peux changer de comportement. On peut changer de comportement. Peut-être. Essayer d'influencer peut-être que la société ou cette société-là, duquel je suis membre d'ailleurs, essayer de l'influencer pour qu'elle me ressemble plus. Ah! Alors, d'après moi, c'est sur ça d'adapter. C'est ça. Toi, Linda? Pour moi, m'adapter, c'est d'apprendre à apprivoiser les choses qui m'agressent. Les événements, là, dans, soit bon, les défauts d'un, on parlait au niveau du travail, on parlait de sa vie familiale. Bon, c'est d'apprendre à apprivoiser graduellement les choses qui ne me font pas plaisir, évidemment, et de les rendre à mon avantage. Mais quand je dis à mon avantage, c'est d'essayer que ça me rende bien dans ma peau et de voir si ça correspond aussi à ce que j'ai de besoin. Puis là, ben, tu fais soit le rejet, la fuite, où tu acceptes et tu assumes bien ce qui t'arrive, parce que ça te rend quand même conforme. Après l'avoir traité, bien sûr. Bien sûr, hein? Bien sûr, parce que bon, s'adapter, moi, pour moi, c'est toujours, là, c'est parce que tu as un effort à fournir. Ah. Parce que pour moi, s'adapter, il me semble, c'est... Ça se fait tout seul. Non. Ah. Moi, m'adapter, c'est faire des concessions, finalement, sur soi-même. C'est, disons, peut-être... piler sur une partie de soi-même pour disons, être mieux accepté de l'extérieur, pour satisfaire les gens qui sont autour de soi, puis peut-être même marcher sur soi-même, c'est-à-dire faire des choses qu'on trouve désagréables ou qu'on trouve pas en accord avec ce qu'on pense au fond. Puis nécessairement s'adapter, on peut le faire jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, on va rentrer en conflit, veut pas. Puis... le conflit, dans le fond, il est peut-être avantageux pour les deux côtés. Ah oui? C'est-à-dire que la structure dans laquelle on arrive, qu'on est nouveau, qu'on connaît pas, est créée par des gens qui sont déjà dans ce milieu-là, qui ont créé un ordre de jeu, c'est-à-dire un jeu dans lequel les règles sont souvent prédéterminées, là, puis on va essayer de te les imposer. Tu vas arriver là-dedans, puis on va te dire, bon, ben. T'as ça, ça, ça à remplir, puis on attend ça et ça de toi. Puis dans la mesure où tu vas remplir tes besoins de ce groupe-là, on va te respecter, on va te donner une place, puis dans la mesure où tu vas pas piler sur les plates-bandes de tout le monde, on va te faire une place. Mais souvent, si on se conforme complètement, il y a rien de nouveau dans le groupe, il y a pas d'évolution, puis ni pour la personne, parce qu'elle est obligée de piler sur elle-même, puis ni pour le groupe, parce qu'il s'enrichira pas. Et voilà. Moi, personnellement, je vois l'adaptation jusqu'à une certaine limite. D'accord.
C'est-à-dire que il faut comprendre quand même les règles dans lesquelles on va avoir à jouer, à composer avec ces gens-là. Mm-hmm. À un moment donné, il faut s'imposer aussi. Il faut arrêter à un moment donné l'adaptation, là, si tu veux, puis dire, bon, ben écoutez, moi, j'ai des besoins aussi. Le groupe en a des besoins. Puis il va falloir trouver un compromis à un moment donné, à quelque part. Ce que je critique, ce que j'amène comme, des fois, opposition, des fois, il faut y tenir. Parce que on se met en question à ce moment-là. Puis des fois, le groupe peut s'enrichir. Il va y avoir peut-être un conflit à un moment donné, mais autant nous-mêmes, autant le groupe va peut-être avoir à s'adapter à moi. OK. Puis de s'adapter, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Eux aussi. Oui. Puis si à un moment donné, le domaine dans lequel, ou le groupe dans lequel on est n'est pas prêt à faire des concessions non plus, ben il faut s'échapper. Changer d'orientation, changer de groupe, changer de domaine, changer de... Je pense pas le tout. Bon, l'adaptation, c'est un mot dangereux pour moi, enfin, parce que ça n'existe pas. Il y a une adaptation biologique. Je prends comme exemple, en général, les paysans qui vivent à 4000 mètres d'altitude dans les Andes et qui font un travail aussi important du point de vue thermodynamique, du point de vue... Exigence musculaire. Que les gens qui vivent au bord de la mer. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir des organes différents, c'est-à-dire qu'ils ont une vascularisation cardiaque qui, au cours des siècles, c'est extrêmement devenu extrêmement abondante et fine. Alors là, il y a adaptation à un espace géoclimatique. Ça, c'est une adaptation. On pourrait peut-être en trouver d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en général, ce qu'on appelle adaptation dans le langage courant, c'est une soumission. Ah, ça, tu l'as dit. Bien sûr. Hein, ce n'est qu'une soumission, et le monsieur qui est bien adapté, c'est qu'il est parfaitement soumis à son environnement social. Se rendre conforme à ce que la société attend de moi. Qu'est-ce ça, c'est les mots, ça, qui est c'est ça. Ça. C'est les mots, ça. C'est une soumission, ce n'est pas une adaptation. Bon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous vos désirs, tous vos pulsions à agir et à vivre heureux et bien dans votre peau, il doit se conformer à ce que la société veut. Et je pense qu'il a donné vraiment la solution. C'est-à-dire, bon, j'essaie de ne pas trop blesser les autres, comme ils sont plus nombreux d'ailleurs, bon, ils ne me l'ont pas, je le disais tout à l'heure, mais à partir d'un certain moment, il faut dire, moi je pense ça, vous pensez ça. Et ne pas avoir peur d'être mal jugé, bien jugé, etc. Et à ce moment-là, peut-être, l'ensemble social dans lequel on est inclus, la micro-société, aura une fonction imaginaire qui leur permettra de sortir ou de la soumission, ou de l'agressivité, et trouver quelque chose. Hein. Mais trouver quelque chose qui est neuf à ce moment-là. Hein. Et vous l'avez parfaitement raconté, ça. Vous n'avez pas suffisamment insisté, à mon avis, sur le processus imaginaire qui vient de la non-soumission au milieu. D'un individu au milieu qui peut faire prendre conscience d'un tas de choses. Est-ce qu'on doit admettre qu'il y a des gens qui peuvent être heureux en se soumettant? Que? Des gens puissent parvenir à être heureux en se soumettant. On parle quelquefois de la sécularisation qui va. Alors là, entre nous, je ne crois pas. Mm-hmm. Donc, biologiquement, je ne le crois pas. Parce que vous avez un tas de désirs inassouvis, d'apprentissage culturel, gestuel, langagier, de tous vos jugements de valeur font. Ils ne sont pas forcément conformes à la société, à ce que la société attend de vous. Et vous les camouflez, et alors là, vous retombez dans, évidemment, l'inconscient freudien. C'est bien freudien, vous le refoulez. Et c'est toujours là, et vous allez trouver le médecin, oh, j'ai un ulcère d'estomac, ou je suis fatigué, je dors plus, etc. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, mais il est parfaitement heureux, il est bien payé, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais les raisons, elles sont dedans. Et puis, l'homme est incapable de vous le dire. Et c'est le névrosé. Le névrosé, c'est ça. Il n'a pas suffisamment d'imagination pour sortir de son système manichéen, c'est noir, c'est blanc, c'est etc. Mm-hmm. Et d'autre part, il est incapable de dire ce dont il souffre. Parce que ce n'est pas conscient. Étant donné que le conformisme, c'est la vérité, actuellement, par exemple, le conformisme, c'est d'être un bon producteur à quelque chose qu'on soit, le reste, ça compte pas. Alors, il y a quelquefois des... Alors, on vous automatise de telle façon que vous ne puissiez plus penser autrement et vous pensiez que si vous ne savez pas pourquoi vous voudriez faire autrement, vous ne le savez pas. Hein. Ça vient quelquefois de la tendre enfance. On peut revenir à ce que Daniel disait tantôt. On parlait de pour avoir une certaine culture, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir dire ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas ou ce qu'on constate. Et effectivement,
La parole, c'est un moyen d'action qui est efficace dans bien des cas. Un moyen d'influence. Comment? Un moyen d'influence. Un moyen d'influence, bien sûr, essentiellement. Ah, si on ne l'exprime pas, on n'influence pas l'autre. Voilà, et on reste dans tous ses désirs d'assouvir. Voilà, parce que l'autre de ne sait là, pas, l'importance de la communication. Ça, exactement. Ça. Mais quand je parlais tout à l'heure de ma présentation au médecin général, dans les 48 heures, on m'a dit, bon, ben, on veut bien considérer que votre jeunesse et votre enthousiasme, hein, puis j'ai... On m'a supprimé, on a coupé mes arrêts et on m'a donné le poste que je voulais. J'aurais pas dit, je serais resté. J'aurais eu 6 mois après avec l'espèce de corneux que j'avais comme médecin-chef, j'aurais eu ça des semaines, une hypertension artérielle, etc. Là, ça a explosé, je l'ai dit. Et puis, bon, comme en plus. Non, je crois qu'il faut aussi, il faut ajouter. Ça, je l'ai vécu. Il faut ajouter qu'il faut être sur le plan technique irréprochable. Ah. Bon, j'avais plus rien dire, j'étais le major partout, j'avais la technicité, on ne pouvait pas me l'enlever. Qu'est-ce que veut une société? Que vous soyez techniquement irréprochable. Mais à partir du moment où vous êtes irréprochable, on ne peut pas vous dire, vous pouvez dire ce que vous voulez. On a trop peur, bien sûr, on dit, oh, il est insupportable, S'adapter finalement, c'est agir efficacement pour faire face d'abord à ce qui menace notre équilibre, également pour satisfaire nos divers besoins, aussi pour améliorer nos conditions de vie et sans contredit pour tirer profit des circonstances de la vie. Pour André s'adapter, c'est trouver la façon d'être confortable parmi les autres. Pour Raymond, c'est influencer la société dans laquelle il vit pour qu'elle lui ressemble davantage, afin qu'il s'y sente plus à l'aise. Ou encore, comme le dit Linda, c'est apprivoiser ce qui lui déplaît afin de l'utiliser à son avantage, dans la mesure du possible. Et enfin, pour Daniel, s'adapter, c'est répondre aux attentes des autres pour être accepté. Mais c'est aussi s'affirmer et exiger des autres le compromis qui permet de répondre à ses besoins. Suite à ce que l'on vient d'entendre, on peut maintenant se demander quels sont les moyens permettant d'agir efficacement dans sa vie personnelle et professionnelle, tout en étant bien dans sa peau et dans sa tête. Allons voir ce que proposent nos invités. Il n'y a pas personne qui va te donner de recette de l'extérieur. Voilà. Ce que tu sens par en dedans, c'est ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Pour toi. Si tu es devant une situation et tu as un malaise, quand même que tu essaierais d'analyser la situation de 20 points de vue possibles, si tu as un malaise, c'est un malaise. T'es mal, il faut que tu changes quelque chose. Au contraire, si t'es dans une situation puis tu te sens bien, moi, je prends les choses par les tripes, façon de parler. Je suis plus à l'écoute de mon estomac, des fois, que de mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux trouver intéressantes intellectuellement, puis des choses que, finalement, intellectuellement, c'est bien, mais j'ai un malaise. Il y a quelque chose qui correspond pas à moi là-dedans. Je suis pas capable de le définir. Pas capable de faire un portrait exact, mais je me sens mal là-dedans. Puis j'arrête de chercher. J'arrête de chercher à m'adapter, façon de parler, là, puis à vouloir que la situation... Que ça marche, exactement. Dans ce temps-là, je me dis, bon, ben écoute, passe à autre chose. Attends pas d'avoir lu ça. Attends pas de véritablement tomber malade, entre guillemets, là. Si t'écoutes ton corps, finalement, ton instinct, là, si tu veux, s'il y a quelque chose qui te déplaît ou qui te déplaît pas, mais par les tripes, là, pas essayer d'y réfléchir longtemps pour finalement trouver ça normal, puis après ça, dire, ben j'ai mal, mais c'est normal. Ouais, j'ai rationnellement. Ouais, c'est ça. J'ai finalement été capable de comprendre pourquoi que j'aime pas ça. Puis pourquoi j'ai mal, les gens qui ont mal. Pourquoi j'ai encore mal. Okay. Puis pourquoi que j'aime pas ça. Puis là, finalement, essayer de me changer moi pour que j'aime ça. Oh. Moi, je dis plutôt, écoute ton instinct. Puis si, en dedans de toi, là, tu dis, je me sens mal, je suis pas à l'aise, évacue, quitte, fais quelque chose, change d'orientation, va-t'en ailleurs, pour justement éviter que, à un moment donné, tu sois en conflit entre ce que t'aimes et ce que tu penses. Je reviendrai à ma première, ma réponse, moi, qui est, moi, comment je me sens bien dans ma peau. C'est d'être capable d'assumer, en fait, ce qui peut arriver quotidiennement. Parce que, bon, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé que à cause des cultures, à cause des contraintes, des normalités, qu'on ne se sent pas vraiment libre.
des valeurs qu'on apprend tout jeune à compter, non pas de se référer à soi-même. Je crains de dire à quelqu'un, comme Daniel suggère, fais référence à tes intuitions. Parce que je me demande jusqu'à un certain niveau si l'individu a appris à faire référence à ses intuitions à cause de tous les intrants qui arrivent comme ça depuis sa tendre enfance. Alors, en tout cas, moi, j'ai tout réappris à fonctionner dans une société comme celle-là, à vraiment apprendre à tous les jours que, bon, je peux faire plaisir à un, mais pas à l'autre, mais que c'est pas plus grave que ça sur moi si ça fait pas plaisir à l'autre, parce que moi, je me sens bien là-dedans. Moi, j'arrive à être bien et à assumer, moi, que oui, j'ai dit non à l'autre et que je me suis pas soumis, ou etc. Donc, alors, moi, ce serait plus en fonction de ça. Donc, c'est en fonction des situations, oui, qui se présentent. C'est et ça. Là, au moment, là. Oui, de tes forces et tes faiblesses. T'assumes. Et c'est ça. Oui, tu fais un choix personnel. Et le, oui, pour ton bien-être à toi, finalement. Le fait d'être soi-même est encore la chose la plus efficace et la plus rentable, dirais-je. Vous voyez, je parle en capitaliste. Mm-hmm. C'est rentable parce que les gens le sentent. Souvent, on me dit, oh, formidable, vous passez à la télévision, mais je dis parce que je me fous pas mal de l'opinion des autres. Et que... ils me prennent comme je suis. S'il y en a qui aiment, puis eh ben, je suis content. Moi, je préfère qu'on me dise je t'aime, parce que nous sommes tous narcissiques. Hein. On cherche l'autre, mais on ne trouve que soi. Donc, évidemment, je préfère qu'on m'aime. Mais si on n'aime pas, ben, pourquoi pas, hein. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus une image à donner de soi-même. Et on est vraiment ce qu'on est. Je ne dirais pas... ça serait des jugements de valeur bons ou mauvais, par rapport à un conformisme ou bien. On est comme ça. Puis, et je pense que c'est ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire que. Et les autres vous aiment effectivement autant. Et ils vous aiment souvent plus parce qu'ils sentent ce qu'on appelle, un mot que je n'aime pas beaucoup, mais enfin qui. Authentique. Galette. Actuellement, c'est très, très à la mode. Ah, il est authentique. Ouais. Tu parles. Enfin, oui, dans ce cas-là, c'est. Être soi-même, c'est être authentique. Exactement. Et ne pas être par rapport à ce qu'on attend, que les autres imaginent que vous devez être par rapport à eux. Alors là, on n'en sort plus, quoi, ça. Comme on vient de le voir, Daniel souligne l'importance de reconnaître son degré de confort dans les situations quotidiennes. On est bien ou on est mal dans sa peau. Et Linda ajoute qu'il faut souvent adopter une nouvelle façon d'agir tout en demeurant à l'aise et soi-même. Alors, pour vous aider à agir efficacement et au mieux de vos intérêts, dans votre vie personnelle et professionnelle, votre centre de santé vous propose des moyens pratiques. Alors, vous trouverez les 5 documents d'information suivants. Le premier document vous propose une façon d'identifier les comportements sources de conflits, d'échecs, d'impasses et des moyens pour les changer. Le deuxième vous suggère une méthode pour réévaluer d'une façon réaliste les expériences désagréables et les émotions négatives qu'elles provoquent en vous. Le troisième vous aide à mieux comprendre comment établir des rapports professionnels sains et efficaces. Le quatrième vous décrit une marche à suivre pour être un communicateur et un collaborateur efficace au travail. Et enfin, le dernier vous présente une stratégie pour établir un équilibre entre vos ressources, vos possibilités, vos limites et celles de votre milieu de travail. Alors, je vous invite à lire ces documents en vous rappelant qu'il peut quelquefois être souhaitable de consulter un professionnel de la santé pour vous aider à faire face efficacement à une difficulté personnelle ou professionnelle afin d'éviter des problèmes de santé.